Winzhausen, un petit village dans le nord de la Bavière. Pour le chauffeur routier Thorsten Eckert, la journée de travail commence à 5 heures du matin. Première étape avant de prendre la route, faire chauffer les 730 chevaux de son camion. Salut, collègue. Ce matin, on va commencer par aller à Würzburg. Ralph, un collègue, m'a appelé. Il a trop de boulot, il a besoin d'un coup de main. Il faut transporter des fûts de hêtre dans une scierie à Aschaffenburg. J'espère que je vais trouver. C'est quelque part dans la forêt. Thorsten Eckert est spécialisé dans le transport du bois. Le bois, c'est son boulot et sa passion. Son fret, il va le chercher dans les forêts du massif de la Rhône, au nord de la Bavière. Ah, c'est le premier appel. Salut, Ralph. Écoute, je serai un peu en retard ce matin. T'as prévu une pause café ou quoi? Non, mais j'ai un collègue dont le bras de grue est en panne. J'ai dû l'aider à décharger. T'as fait ta bonne action du jour? J'en fais une par jour de bonne action. Je suis là dans 3 quarts d'heure. Ok, le premier arrivé au parking attend l'autre. Ça roule. Bon courage, salut. Ouais, salut. Thorsten est dans le transport du bois depuis 1993. Il y a 5 ans, il a repris l'entreprise de son père. 6 jours par semaine, il est sur les routes pour nourrir sa famille de 4 personnes. Et tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Oh putain. C'est pas vrai, merde. Faut que j'aille voir. J'ai mis les roues arrière dans le fossé. Bon sang. Je voulais me garer sur le parking, et comme l'entrée est assez étroite, j'ai dû manœuvrer. Comme il fait nuit, j'ai pas vu le fossé. En plus, à droite, il y a un angle mort. Et là, je suis dans le fossé. Là, je déplace le poids de la grue vers l'avant, en espérant que ça permettra de sortir le camion du fossé. Il faut savoir se débrouiller. C'est un peu vexant de se retrouver dans le fossé comme ça. Mais je vais essayer de déployer le bras de grue et de sortir de là. Merde, je suis bien dans le pétrin. Je vais avoir du mal à sortir.